This is the Balloon Time. Bonjour, ici Magic Tom pour une leçon sur la sculpture sous ballon. Vous savez tous comme moi qu'en soirée, on cherche, quand on est artiste, à attirer au début l'attention avant de faire un petit spectacle ou de faire de la sculpture sous ballon. On essaye de se démarquer, on essaye de mettre l'ambiance, on essaye de vraiment trouver des choses innovantes. Et bien là, l'objet de la leçon, nous allons voir trois choses aujourd'hui. Nous allons voir comment faire trois accessoires très rigolos en soirée. 1. La bouche. 2. La pipe. Et 3. Les lunettes. Prêt pour la leçon. Pour faire la première chose, les lèvres en ballon. On gonfle un ballon rouge. On fait une boule. Un pinch-piste. Et un autre pinch-piste. Voilà. Sachez que pour avoir donc la leçon sur les pinch twists, elle est indiquée dans les cours de base, dans les leçons de base sur ma chaîne YouTube. Donc je vous donne le lien ici. Et là, on peut faire une casse contrôlée qu'on voit dans la vidéo intitulée les 4 casses. Donc le lien là. Parfait. Sachez que avec donc la casse contrôlée, on va pouvoir faire 3 lèvres en ballon dans le même ballon. Et de 2. Et 2-3. Vous remarquerez qu'il faut mettre la bouche entièrement. Cet effet-là sert à 2 choses. 1. Que tout le monde s'embrasse dans la soirée. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien pour l'ambiance. Ensuite, tout le monde aura aussi tendance à se prendre en photo avec. Puisque regardez, c'est très photogénique. Deuxième chose. La pipe en ballon. Normalement, il faut la faire en noir, mais je vais aussi vous la faire en transparent, de manière à ce que vous puissiez voir ce qui se passe à l'intérieur. On prend le nœud, on l'enfonce à l'intérieur, puis ici, on va le pincer de l'extérieur, de manière à attraper le nœud, ce qui fait qu'on a le tendeur du nœud qui est à l'intérieur. On tourne ça, donc on coince le nœud après le fait d'avoir tourné, et pour être sûr de bien coincer, on retourne en pinch twist. Comme cela. Maintenant que nous avons montré donc comment faire le truc avec le ballon transparent, puisque normalement on fait le foire en noir, je vous refais la même chose en noir. Donc, on met le nœud à l'intérieur. Regardez d'extérieur, on voit absolument pas le tendeur qui est à l'intérieur. On le pince avec et on fait le pinch twist pour bloquer le nœud avec. Comme ça, il ne bouge plus. Ensuite, on fait la casse du ballon dégonflé qui existe, ça dans les cours, je vous l'explique bien, dans le cours des 4 casses, je vous mets le lien ici. Et on dégonfle, mais pas entièrement, de manière à ce qu'il y ait un peu de volume dans le ballon, comme cela. Et ensuite on fait le nœud. On peut même recasser avec la casse du ballon dégonflé. Et là, on a la pipe. Donc la pipe très rigolote. On fait un effet très drôle avec. Voilà, surtout si vous prenez une allumette ballon, que vous l'allumez comme ça, c'est très drôle. Donc le troisième effet sera les lunettes. Les lunettes, donc on fait une boucle ronde.
Dans les bases, dans les techniques de base, il y a un cours sur les boucles rondes. Je vous mets le lien ici. N'hésitez pas à y aller pour voir. Ensuite, une deuxième boucle ronde. Carte contrôlée. Et voici les lunettes qui se pincent donc comme cela sur le nez. Alors voilà, en soirée, on peut cumuler les trois effets, donc les lèvres en ballon et la pipe. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, travaillez bien cette petite technique, et puis on se revoit sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bandoum, badoum, bandoum, tout, tout, madame, tout, 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 madame, tout, 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 tout.